Bonjour les amis, bonjour les amis. Pourquoi cette pétition? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que bien sûr que cette pétition, c'est pas pour moi. Moi, je sais ce que je fais et je sais ce qu'il faut faire. Mais la destination de cette pétition, pourquoi je fais cette pétition? C'est pour aider les autres, les malades qui souffrent, les malades qui ne savent pas quoi faire, les malades qui meurent. 200 000 par an. Statistique officielle, 50 000, 150 000, pardon. Et les 50 000 autres, c'est ceux qui meurent des traitements, par les traitements, qui attrapent des crises cardiaques, qui attrapent différentes causes, qui meurent de différentes causes, mais qui sont des résultantes des traitements qu'on leur inflige. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux obtenir mon rendez-vous que je demande depuis le mois de juillet. Je le demande à notre président, Monsieur Macron. Je le demande à son épouse. Je le demande à l'ARC, je le demande à l'Institut national du cancer et bien sûr au ministère de la Santé et je le demande à tous les intervenants importants du cancer en France. À ce jour, aucune réponse. Je pensais avoir mon rendez-vous en septembre où j'étais venu passer un mois. En me disant, bon, ben là, voilà, j'ai demandé en juillet, après il y a août, donc ce sera septembre. Et ben non, rien. Rien, et maintenant, je suis là de nouveau pour un mois, et j'espère obtenir ce rendez-vous. Il faudra bien qu'un jour la France m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis la preuve vivante que le traitement métabolique marche. Alors, ce que j'appelle traitement métabolique, c'est tout ce que je fais. Je ne vais pas recommencer à expliquer tout ça. Ce que je sais, c'est que je devrais être mort ou en soins palliatifs et que je ne le suis pas. Et que je suis en pleine santé aujourd'hui. Alors oui. Je fais ceci pour les autres et je vous demande d'être très très nombreux à signer cette pétition de manière à faire bouger nos officiels. S'ils ne bougent pas, on trouvera d'autres voies pour faire connaître donc ce qui existe, ce que je fais et ce qui pour moi est essentiel de faire si on veut survivre au cancer. Voilà, alors voyons ce qui s'est passé depuis. Je clique pour renouveler et voilà, c'est pareil, voyez, en quelques minutes, ça n'a pas augmenté énormément. Je n'ai pas encore diffusé cette que je me rappelle même plus comment ça s'appelle, cette pétition. Et j'ai abordé, on a abordé, mes subscribers ont abordé le sujet d'une pétition. Et à son habitude, merci Nat pour ta réactivité et pour avoir fait cette pétition. Voilà les amis, et ben je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère que on y arrivera, que j'aboutirai. Mais plus le temps passe, plus je vous rejoins, vous, tous les défaitistes. Je ne veux pas être pessimiste, je veux être optimiste, je veux pouvoir faire changer les choses. Et je vais me battre de toutes mes forces jusqu'à ce que ça change. Merci les amis. Une très très bonne journée. Au revoir.